La police nationale qui pas ça pas gain longtemps annoncé il mettait sous pied un comité pour gérer sécurité qui gain pour avec convoi aide humanitaire. Nous gain avec nous en ligne directeur départemental sud de police là, commissaire Franz Saint-Armand. Commissaire, bonjour. Bonjour, bonjour Gary, bonjour Pierre Enel, bonjour Bonté, bonjour Gary et bonjour tout Haïti. Alors mon entier. Des gros problèmes graves qui a passé là et qui s'est taillon en cause qui expliquait aide humanitaire là n'est pas arrivé à destination, c'est que sous route yo gagné de moun qui prend en malin plaisir à piller camion qui a passé yo. Ça continue à arriver effectivement dans le département côté ou à diriger à commissaire. Et comme nous te connaissons, le Saint-Saint passé, c'est une difficulté. Tout le monde est aux abois. Et certains monde, surtout dans des routes principales, dans le de Aquin, où il y a Cavaillon. Et parce que dans la zone où tu as commencé, il y a certains monde qui t'ont fait ça. Qui t'ont fait ça une fois, deux fois. Mais rapidement, la police nationale se met en structure sur place et pour qu'on y ait et deux côtés qu'on a eu pour y venir dans le département touché, département NIP, département Sud, département Gradas. Dès que son convoi officiel qui est déplacé, il y a un accompagnement de Port-au-Prince pour y venir dans le Sud. Et parfois, accompagnement qu'on y venir même dans Gradas avec. Et à ma connaissance, beaucoup qu'on est dans la période de semaine, ça, côté nous avons des camions que des mouns pillés ou bien volés, ou bien population pillée. Mais si on a un camion détourné, ça c'est chauffeur, un moun qui était organisé là, qui connaît. Et c'est pour nous dire, dans le premier moment, il était difficile pour la police, parce que faire passer samedi, dans demain, ou bien dans même samedi, il y a certains particuliers qui étaient voulés porter bagage pour famille ou BONG. Et c'est là que c'est déjà difficile. Automatiquement, et la situation vient prendre en charge du secteur général qui crée le comité qui est là pour sortir de la cour. Depuis les côtés, on a recevoir. C'est des convois de FAES, c'est des convois de PAM, c'est des convois de POU. C'est ce qu'on voit de World Vision, tout le monde qui organisation qui est pour déplacer, dès qu'on informe la police, nous fait le maximum que possible. Pour permettre que Edlan arrive à destination, mais maintenant, dès que Edlan arrive sous place souterrain, qui gens la police est accompagné monde qui a fait distribution puisque là tout qu'on gagne un pile problème qu'on gagne des ordres de monde qui a utilisé force pour prendre tout Edlan pour stocker. Donc est-ce que là tout la police a un travail que le fait et la police a jamais cessé de travailler. Hier soir il était 9h20, nous recevons un convoi qui était sorti pour au prince et mené par des agents de la brigade d'intervention motorisée. Ils arrivent, ils remettent nous dans le commissariat. Nous faisons contact avec Grandance qui était par là dans notre Grandance. Mais nous recevons pour. Parce qu'on prend pour prendre un coup, le chauffeur était fatigué et tout. Parce que là, on a des convois. Les machines à Oldo, c'est des machines qui ont fait 8 heures dans la route pour arriver. Ou bien 10 heures dedans. Le chauffeur était fatigué et tout. Les machines nous. Kembeo, dans le niveau sécuritaire, zone noire. Et puis, matin, 4h du matin, nous allons remettre dans ce pali. Nous, ça nous a gagné pour zone Torbeck et Chantal, et sous zone Pointe-Côte-Lan, nous avons gagné équipier par la veille. Ça, c'est pour hier soir, nous planifions matin à faire ça. Dans le même matin, dans le coude, nous avons un officier qui est dans le coude pour dire nous qui est-ce qui a un côté pour faire livraison. Nous rapidement recevoir notre plan qui dit nous OK nous gain distribution avec CRS Capérin. Nous quoi nous gain distribution sous zone Torbeck Gilgo et avec on l'autre organisation et de là nous gain temps métier policier sous lui. Et même hier nous gain un ancien sénateur qui était dans zone là qui a parlé en distribution qui était prévoir l'asile avec Torbeck.
15 minutes à l'avance de relé nous. Ça dit ouais nous pas rien temps devant nous. Mais puisque nous avons une structure qui est dans ce place national, là, monsieur seulement dit nous, ah, les gens ont convoi, les gens machinent en même temps, bah, d'obèg, comme nous avons aidé, automatiquement nous faisons contact avec le responsable de mots, nous disons, prend disposition, nous avons le numéro de téléphone, nous échanger. Et rapidement, nous avons une équipe 6 mots qui vient pour faire les routes là. Qui prend yo, depuis la limite de Miangouane, qui monte avec yo, au CAI. Deux cas, nous avons l'autre équipe qui prend le rivet Tobek avec eux, qui crée avec eux pour faire distribution. Ce qui est arrivé parfois, il y a des gens qui ont annoncé la police que la ville fait une distribution. Il y a des gens qui sont des amis dans la zone, ils décident de venir faire une distribution pour les amis dans la zone. Et rivet avec 50 bagages pour des gens qui ont cancellé. Et pour 2000 personnes en vaille. Sans que le pas formé la police. Ni pas de connaître. Et puis c'est après nous que la machine a couru dans le commissariat. Et le ça nous-mêmes, nous sécurisons le commissariat. Et puis le ça dit nous, mon cher, je n'ai pas envie de faire distribution ça là encore. Je vais escorter pour m'aller de l'autre côté. Et le ça nous fait ça. Et le fait ça, nous arrivons sous terrain avec eux. Nous mettons nous dans la disposition qui est bon. Et puis de la équipe yo campé à moun yo fait distribution. C'est pas rien la police dans distribution, rien moun. Et puis quand même des termes là. Et puis brigand qui puis audacieux, qui puis pas rien honte, même s'il te ouais on frère pas jamais même les mêmes les battre pour le bataille, pour le prendre, pour le reprendre encore. Ça qui vient faire ça. On la police qui affectait tout, même gens à population, ça n'a pas empêché les policiers de déployer sous terrain. J'en ai expliqué nous là, nous avons gagné une centaine de policiers qui sont victimes parce qu'il y a des cailloux qui soient fissurés, endommagés ou crasés. Au niveau de direction, la police là, qui accompagnement, qui support nous bail à policiers victimes. Et nous-mêmes, au niveau de direction générale, la police en premier, et c'est. Et maintenant, et nous avons une direction départementale qui prend disposition par tout. Dans disposition par nous, c'est sur le plan santé. Et si les policiers ont besoin de santé, rapidement nous regardons ce que nous avons fait. Comme des zones, au premier moment, c'est un effort, tout le monde a couru par contre côté pour aller. Mais automatiquement, nous reprenons charge, nous faisons les policiers qui sont victimes. Parce que dans le premier moment, dans le samedi, nous avons même compte qui est ces policiers qui sont victimes. Mais rapidement, nous avons nommé au monde, nous avons pris tous nos policiers qui sont victimes pour nous. Et puis, c'est rapidement, nous avons 74 personnes. Dans 74 personnes, nous avons 7 personnes nous avons connu qui ont des problèmes de santé physique. Ça qui a un bras tombé sur eux, ça qui a un bras qui a endommagé, ça qui a un madame qui a mouru, puis qui a mouru, et ça qui a des fractures. Automatiquement, nous prenons disposition de faire l'islam, mais pendant que nous faisons l'islam, nous avons pour nous repérer. Dans le même jour, samedi, nous avons repéré deux policiers qui sont victimes, qui questionnent celui qui a un problème. Nous faisons Fatma Kembel pour nous, pour que nous prenions disposition. Effectivement, dans dimanche, il y a une évacuation dans l'hélicoptère, nous prenons disposition et évacuer dans l'hélicoptère sur Port-au-Prince. Il y a un policier qui a dit qu'il y a pris soin. Il y a des gens qui ont des bails sur les réseaux sociaux qui ont dit policiers ça, l'hôpital, le pas le soin. C'est archi faux. Et les bails qui ont monsieur évacué sur Port-au-Prince, c'est Tikiné. Le, moi, ça, son groupe, le, moi, les madame, ni madame, ni pendant, moi, les madame, ni mal, ni madame, ni qui ça, le gagne, dégain, t'en, le docteur qui est responsable en termes de santé dans le, pour la police. Rapidement, docteur Odman, c'est à moi. Et les policiers qui sont bernamés, envoyés policiers bernamés, l'homme, les madame policiers, madame policiers, ils n'ont pas de problème, au contraire, c'est un appel pour faire opération. Mon cher, effectivement, quelques minutes après, le docteur Bittar, il est mousse d'une sénamant, le docteur Bittar, mon cher, pour pas besoin d'inquiéter, au côté policier, il dit qu'il y a nous-mêmes, tout nous prenons en charge côté lié. C'est même structure, nous avons parlé à médecins, nous avons fait suivi toute charge sous nous, il a seulement envoyé charge au banon et puis nous-mêmes nous exécuter. Dans lundi, les policiers ont un problème sans. Donc on est. Nous connaissons qui problème qui est sans. C'est là qu'il faut nous organiser. Nous. Et je pense que des institutions qui sont bien organisées, qui ont un règlement, qui ont un principe, c'est pour
poser garder comment nous ca mettre en structure pour dire policiers faut nous capable bailler sang pour nous sauver frère nous tout. Leur numéro de sang, le docteur Odma, docteur Dandine, c'est Croix-Rouge, là va faire contact. Quelque temps après docteur Odma relé le docteur Bita par la velle, policier après jeune deux pochettes sans que le besoin pour le faire opération ce qui a été fait. C'est pour me dire que non prise en charge physiquement de policiers qui malade depuis nous connaît et nous fait suivi. Mon policier qui a un problème dans l'épaule, hier me prend monsieur, mené monsieur côté pour la prendre soin. Et dans le thème de l'autre bagage, la direction générale même l'a préparé pour nous. Il a parlé à des chiens. Il n'est pas vu. Dans le premier moment, il a fait des plastiques et autres. Il a fait préparation pour nous d'autres bagages qui sont capables de faire nos fonds de construction solides. Après le tremblement de terre et policiers, quand même, qui victimes. Nous avons une situation difficile, mais nous connaissons tout gagné plusieurs commissariats qui tombaient, qui fissuraient dans la zone ça, qui côté nous loger policiers. Non, grâce à Dieu, structure nous pas fin endommagé, pas fin crasé. Il y a des espaces qui travaillent. Et pour loger policiers, pour le connaître, policiers étaient toujours un espace côté caca, ils habitaient. Et c'est ça qui vient quand il fait sur magie qui garde quand même comment gérer situation par rapport avec faire aussi bah provisoire ou bien quand il était normal si moi était sur commissariat yo la protection départementale là pas rien fait sur pas rien là-dedans connait nous gain tente que nous à la recherche pour nous te déplacer pour nous déposer mais nous gain des espaces tout préfabriqués qui étaient dans certains postes que nous utilisons. Et tant que nous avons un cavaillon qui a un espace devant qui est écrasé, responsable cavaillon, on a un niveau de parler pour responsabilité. Avec moi-même, nous cherchons des prêts là et autres, nous faisons un bagage sous devant, mais nous avons l'autre espace côté policier. Il n'y a pas de problème pour arrêter la dame, pour te dormir, lever, mais on connaît parfois quand c'est ce qui passe. Et nous avons la peur qui n'est pas à entrer. Mais pour me finir avec assistance au niveau policier, direction générale depuis tremblement de terre a passé le 14, le 18, nous avons réunion dans la direction générale. Et nous avons participé à donner, il y a l'autre matériel que direction Banou. Par exemple, direction Banou, BOT, Libanou, BTU, Libanou, uniforme supplémentaire pour UDMO, Libanou, l'autre bagaille que le gars est en sur place. Après ça, qu'on y a, nous gagnons dans niveau de espace nourriture et autres. Nous pas mal dit que nous pas besoin de ça, mais en gros, la police policière derrière dans un bon chef de derrière dans mon bagage que les capables toujours abgérer, mais après on a prétendu des bagages qui capables qui plus consistants pour que nous assistions policiers. Beaucoup commissaire. Franz Saint-Armand, après appelé aussi directeur départemental police là dans le sud pays. Merci beaucoup, commissaire, et bonne journée. Bonne journée. Oui, voilà. Et puis, tout à l'heure, on n'a pas gagné pour nous à parler avec ancien sénateur Anacassis, Jean Hector, que n'a pas gagné pour nous parler avec lui tout à l'heure. Mais entre-temps, gagné SOSU qui continue à pas lancer, Kazek Josly Maslin qui lançait SOS pour mon cap vivre dans la première section Barreau, dans la commune Anno. Côté les 10 populations ont besoin d'intervention rapide autorité dans l'État. Et c'est pareil pour première section Saint-Louis du Sud, qui c'est Grand Fond. Côté les citoyens ont demandé intervention à l'État rapidement pour être capable de faire face à une situation difficile qu'ils ont trouvé journée jeudi. On va nous rejoindre, ancien sénateur Anna. Jean Hector, dans le côté reportage, Gary Morestin qui les mêmes t'es parlé avec divers syndicats enseignants, parmi eux Union Nationale Normalien avec Éducateur d'Haïti, UNOE, qui critiquait décision ministre éducation Marie-Lucie Joseph prend pour qu'un date 6 septembre pour ouverture classio. UNOE croit c'est un comportement irresponsable. Décision ça, il est considéré comme un signal clair pour renforcement phénomène de l'école à deux vitesses dans le pays. Syndicaliste des nouveaux ministres là pour retourner sur ensemble mesures. Ancien ministre Pierre-José Agenor
Abinader te prend, sinon il a pas relancé yon nouvelle année scolaire qui peut être capable de perturber. En suivant un reportage avec Gerline Moristin. Malgré toute tentative, différentes organisations syndicales dans le système éducatif l'a fait pour forcer autorité dans le ministère éducation nationale yo reporter date 6 septembre là ministre Marie-Lucie Joseph lui-même pas décidé faire bac ça veut dire lundi matin 6 septembre coucouk chanté tout élève ta doué prend chemin l'école décision ça levé plume sous dos dirigeant Union nationale normalien avec éducateur d'Haïti yo qui qualifié comme une action irresponsable. Yo critiquer nouveau ministre éducation wan, yo dit qu'il non seulement pas prend en considération ensemble des gars tremblementaires 14 août l'an fait dans grand sud, ni yo pas créé aucune condition pour accompagner parents, enseignants et directeurs établissement yo pour faciliter rentrer l'école là. Kenson Delis, c'est coordonnateur département l'Ouest UNOE. L'on dit ouverture des classes, on pas qu'à seulement dire l'embouche, mais est-ce qu'il y a les conditions nécessaires réunies? Actuellement, là, sous prenant le sud pays, l'État peut quand même faire une évaluation des quantités de l'école qui est écrasée. Qui c'est dans le secteur public, qui c'est dans le secteur privé? Qu'on bonne l'école jusqu'à présent, là, même déblayer, pourquoi déblayer? Qu'il y a un bon professeur qui est victime, qui besoin de toute forme d'accompagnement jusqu'à présent, pas rien qui fait? Qu'il y a un bon parent qui est censé décapitaliser par rapport à ton humanité, ça? Est-ce que l'État haïtien annonce des mesures d'accompagnement qui va le prendre? Non, donc qui j'en va pas expliquer que l'école a ouvert 6 septembre. Responsable UNOE yo dénoncé tout comportement ministre éducation wan yo qualifié comme une action qui visait renforcer éducation à deux vitesses là dans pays d'Haïti. Nous ouais, attitude de l'État, c'est créer sandakarili on l'école mieux mis bas davantage. Lors dit l'école a ouvert 6 septembre, alors qu'on connaît clairement que l'école là pas carré l'ouvrir 6 septembre dans le département sud pays. Donc l'État qui en principe t'a de créer conditions pour qu'on l'école, eh bien au contraire l'État c'est créer la précondition davantage pour que nous on l'école mieux mis bas. Et puis tout, comment se fait-il que un ministre en radio dit l'école a pour l'ouvrir pendant que ou pas invité aucun partenaire social dans des dialogues pour regarder qui j'ai l'école là après l'ouvrir, qui l'a après l'ouvrir, à qui moi, etc. Même Jean avec plusieurs autres organisations syndicales dans le secteur éducatif là, Union nationale normalien et éducateur d'Haïti yo, exhorté nouveau ministre éducation hein, Marie-Lucie Joseph pour ta retourner sous ensemble mesi ancien ministre éducation hein, Pierre Josué Agenor cadet te prend contre certaines idées syndicales. Yo menacé dans sens ça pour retourner à flambeau mobilisation hein, pendant ouverture classio si toutefois ministre n'a pas pris en considération revendication yo. Ministre gen environ yon mois en tête ministère jusqu'à présent Noël pour que j'aime passer instruction formelle pour rétablir dans le droit l'idée syndicale que ministre Boudi, Pierre-José Agenor Cadet, a exercé sur un ensemble de répression, une vague de transfert arbitraire. Nous, jusqu'à présent, le ministère de l'Éducation nationale lui fait silence, il ne dit rien. Eh bien, nous dit si autorité dans le ministère de l'Éducation nationale n'a pas dit rentrer l'école ça qui va le faire là, il y a une chance pour le faire son fond de bouleversement. On a obligé de reprendre la mobilisation. Yo. Gerline Moristin, Caraïbe FM. Merci un peu, la Gerline Moristin. Tout à l'heure, après le parler avec Anakassis Jean-Hector sur la situation qui gagnait dans le département sud-est pays, côté de cyclone qui était frappé précisément zone Raymond Lebin dans la commune Caille-Jacmel. Mais tout, après le commenter avec lui. Actualité politique. Là. C'est presque chaque année, divers pèlerins en direction, prennent direction 500 marches, spécialement dans pied Notre-Dame, médaille miraculeuse dans la ville Okoto pour aller prier, même si dernier temps, ça y est, pas gagné trop de monde qui fréquentait espace-là. Ma garçon Félicitain, te suivi une dame qui sortit la France, descend commune Okoto pour venir prier. Saint ça, et un reportage. Nous avons commis nos coteaux qui trouvaient sous code sud pays à Yontiville, plusieurs milliers de pèlerins qu'on défilait chaque année pour aller prier Notre-Dame médaille miraculeuse. Mais il faut qu'on monte 500 marches pour arriver dans la pièce Saint-Sar. Nous voulons prier. La montée, nous voulons acheter le tout. Pour moi, c'est pour moi. Pour moi, parce que moi, c'est une femme pèlerin. Je fais pèlerin partout. Dizaine du matin, nous déjà dans l'espace là, nous prenons le suivre d'Amsa qui sortit la France pour venir prier Saint-Sa pour problème lié.
Si gen moun depuis avant yo monté ki les mêmes baleines yo, madame nan décidé faire différent. Habillé en blé, dame nan commencé monter escalier. Monter 500 escaliers pas facile, surtout pas quoi, dame n'a pas chanté, façon pour jeune force pour arriver dans l'espace là. Eh bon Dieu, ma mère, moi, on a descendu tranquille, moi, moi, pour m'aller. Donc nous dit, il y a plusieurs points pour traverser avant d'arriver. Mystère douloureux, pas de côte, Assomption de Marie, mystère lumineux, baptême de Jésus, couronnement de Marie pour ne citer ça au seulement. Moi, moi, pour m'aller, moi, moi. Après plus passé 20 minutes, femme pèlerin arrivée dans pied saint, balé le namel, la balé, il commençait à dresser la Notre-Dame médaille miraculeuse. Ben nous tout problème moi, tout en général net. Tout le monde a persécuté. Pèlerin m'a dessiné pour bay adversaire yo si kak bicarbonate. Y a konn pou ki sa y a trié. M'pap monter mon nan, m'pap descendre ni pour m'pa dans de justice moi avant m'rive parce que moi même moi croit dans ça m'fait, dans ça m'yé a m'croit la donne. Et l'aime de bagay m'toujours joigne. Moi m'pa gè pièce moun bal pou rapport, m'pa madame gang, m'pa gè gang pou m'pa rapport. Et celle nommée là avec nous ne pou m'pa rapport. Sorti la France vinn pri Haïti, madame nan qui semblait à passer à côté. Tout profiter prier saint pour raison ça. Mon garçon gay madame pas chercher l'autre femme quoi. De vous connons gay madame et quoi non madame ou étape madame. De vous encore cultiver l'autre femme et madame ou gogo gay. Bah tout garçon ou avant mère ou d'une femme ou connons gay madame ou avant mère d'une femme m'a dit son besoin prend. Pied casse au besoin gay sous chaise à ouler. Après petit temps ça y a prié c'est moment pour baleine limer en silence pour faire l'autre demande. N'a pas rappelé, c'est depuis l'année 2003, Monsieur Oxama a construit espace ça qui accueille plusieurs milliers de pèlerins chaque année, en pile fois qu'à chercher Migrac. Faut que nous disions, pas de dernier temps ça y a moins de monde qui vient prier, d'après responsable 500 marches, madame Jernita Loiseau. Ahmed, depuis après, tant pas de monde. Depuis après, tant Mathieu, pas de monde. Pas de monde qui vient par le corona. L'entretien, les gens viennent dans 500 marches, ils dorment dans le caïpé. Quand il y a la nuit, il fait possession et monte. Mais même si vous montez là, vous avez un peu de bail, si oui, combien vous avez? On participe à ce 25 août, si vous voulez. Si vous voulez. Si vous pas voulez tout, nous quittez ou montez. Si il y a des gens qui viennent à pied Notre-Dame, médaille miraculeuse pour problème, il y a qu'on est dans la vie, il y a des autres qui utilisent l'espace pour faire magie. Bail Madichon, avec les gens, il y a une bouche l'ouvre. Et même, vin côté nous, vin côté nous, rapport. Les gens qui mettent la bouche dans la ferme, qui tournent la persécution dans mon dame. Et pour nous bailler une farine froide, ça c'est qu'à bicarbonate douillé. MacGerson Philistin, Caraïbe FM. C'est Bill MacGerson Philistin. Bon, ok. Nous allons parler avec magistrat Montbrillant. On a parlé de Blaise Élysée, puisque nous apprenons gagner une activité qui a fait dans le palais municipal d'Elma. Demain, c'est pour capable lever fonds, donc chercher moyens pour aller aider monde dans la région sud-land. Magistrat Élysée, bonjour. Bonjour, Gary Dessel, la salle de Pierre, ensemble avec vous. Bon, cette fois-là avec nous. Donc, on a profité de l'occasion ça pour nous, vous et sympathie, nous, avec toutes les femmes et victimes dans le grand sud pays. Mais on seconde avant pour nous féliciter les peuples haïtiens. Hein, parce que malgré toutes les difficultés qui gagnent, la sécurité qui gagne, et le pays lock nous te gagné, le premier groupe de monde qui décide à supporter les frères dans le grand sud, c'est eux-mêmes. Donc, ça peut le faire toujours vendre nous. Comme depuis la Guinée, la Guinée, je ne vais pas jamais vendre mon bagage à la Caïno. Comme si nous, c'est des peuples qui aiment partager, c'est des peuples qui aiment le monde. Donc, nous voulons féliciter tout le peuple haïtien, toute l'église, tout le monde, tout l'autre monde qui prend l'initiative à l'aide des frères et sœurs. Donc, demain, si Dieu veut, dans le palais municipal de Delma, de 9h à 5h, l'église n'est pas arrêtée de boire croisé. Tout le secteur évangélique là, et notamment à Tissio,
décidé de mettre mes ensemble pour faire un gros gros activité levée de fonds pour aller des frais acteurs nous qui ont des difficultés dans Grand Sud. Donc nous connaissons plus le monde qui devait participer, aller des peut-être estimer espace là trop loin pour y aller ou pas les moyens pour y aller ou bien ça gagner pas trop pour pouvoir aller. Je pense que demain c'est une belle occasion de gagner de 9h du matin à 5h de l'après-midi, nous avons une grosse activité de levée de fonds dans le palais municipal de l'Elma. Et nous avons profité de remercier Marissa Wilson de lui tout qui bat nous tout espace là, tout ça là donne gratis. Juste pour nous faire ça, donc nous avons une performance, nous avons un moment de louange avec tout artiste nous qui là. Donc même pas c'est priorité à prêter sur levée de fonds, parce que mon quoi la Bible dit nous faut nous prêcher l'amour, mais faut ça nous faire par action et pas seulement par parole. Donc si nous pas dans ça faire comme activité à mon capoter don, nous préférer don, mais si nous n'avons pas tant porter don, capoter minimum 700 goud d'abord de voir dans nous. Donc pour nous à supporter frais action nous et dans le Grand Sud qui est victime. Donc, c'est demain, si tu veux, palais municipal, 9h à 5h, dans dernier partie de l'activité, dans un bon moment de louange avec plusieurs artistes. Et je pense que c'est pour ça que c'est tout artiste dans le secteur évangélique. Maintenant, et chaque pas là, il n'y a pas de paraître, mais là, en quelque sorte. Donc, c'est tout le secteur là qui veut mettre les mains, demain, palais municipal, si on monte. Pas de gâteau à l'Albaye, je connais un pile chrétien, un pile l'église qui déjà allé, mais si on a un pile là-dedans, tout à l'église, il y a nous quand même, et un pile une autre initiative qui te prend déjà. On nous dit, il y a un seul bagage pour nous, palais municipal, demain si Dieu veut, 9h, on attend tout le monde à 5h, venez pour te sortir, pour nous supporter, frère, action nous qui victime d'un tremblement de terre 14 août, parce que la Bible dit que plus de bénédiction pour le monde qui a baillé, que le monde qui a quoi. Bonjour, bonne journée. Merci un peu, M. Élisée. Bon, nous allons parler rapidement avec Yves Bernardin dans la 5e section commune Cavaillon. Yves Bernardin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Guerrier Gisel. Bonjour, Pierre-Renel René. Bonjour, toute l'équipe Caraïbio. Alors, donc, moi, c'est Yves Bernardin, comme vous dites. Donc, moi, c'est depuis ma classe en 5e section Cavaillon. Que moi, j'ai besoin de river sur la radio de longtemps, mais qu'il faut corriger, vu un tremblement de terre qui passait dans tout le côté sud là, spécialement dans ma classe à côté. Alors, donc, nous sommes une équipe qui est victime en pile, donc nous avons côté gagné je conseille ensemble avec Kazekla, que c'est un comité qui est formé dans. En l'air, au 5e, dans 5e, dans la division des parties, il y a au 5e, il y a bas 5e. C'est-à-dire que dans le 5e, dans le comité, donc nous retrouvons 350 cailles qui crasent net et puis il y a 652 cailles qui endommagées. Dans le 5e, ça veut dire bas 5e, il y a l'autre membre qui a déclaré qui a déterminé lui. Mais pour le 5e, nous prenons Polycar, nous prenons Cassud, nous prenons Maclaffaire, nous prenons Beret Café, nous prenons Tellier. Et puis, il y a l'autre zone encore qui entoure la zone Sahayo. Donc, on a nous gardé entre tout ça. Donc, il y a un point dans la plaisance du sud là qui entoure nous dans le 5e. Là. Alors, c'est la quantité de Kaysayo qui nous effectue écrasé. Mais malheureusement, donc, nous ne pouvons gagner aucun support et dans l'aide et concernant l'aide que nous tendons cap Bayo. Mon yo, il y a victime en pile, il y a toujours à garder la rue. Hein. Donc, pour y avoir si y a joint, y a un monde qui passe vite, mais il faut qu'on joigne ça du tout. Alors, dans ce sens-là, et besoin de faire si des mounes, ça. Donc, y a pas t'a dit plus manger malgré manger à compter tout. Mais, ça veut dire que y a bois des pacates, bois y a tol, et puis clou, qui t'a pour permettre de joindre y a côté pour y a dormi. En attendant. Alors, dans ce sens-là, tout taille, y a qui crasé, l'église crasé, ouais, l'école crasé. Avait dit là, donc nous pouvons connaître comment nous y est. Mais nous souhaitons que l'autorité qui attend de nous là, yo, donc il faut apporter un support parce que nous pouvons gagner aucun du tout au niveau de l'État, au niveau aide, sauf que tu as remarqué, il y a une seule famille, donc dans ma classe là, qui c'est la famille Laramé, qui était passé visiter famille ça seulement, mais donc nous pouvons gagner aucun monde, pas gagner l'autre famille qui visite avec
paix dans paroisse là qui était gagne 11 ans 1000 dans vie étranger qui gagne une organisation là qui portait quelque chose fait de l'eau pour donc alors donc on croit que et M. Dito Edouard qui directeur du NEPA donc de nous tous donc c'est lui reconnaître moi très bien alors donc c'est mon panneau en l'excite là donc nous tamande li font apparition pour nous parce que après tremblement de terre là gloyauté mon tijan rare pour nous parce que c'était comme sèche doit entrer qui a produit la pluie devine finir avec la pluie était sale donc dans contexte là nous même même l'eau donc les difficile pour nous alors dans ça mon yo abdomi dans la rue mon yo et abdomi dans bus qui machine qui en panne bon la caillou donc ça tout le monde yo université donc nous pas joindre aucun aide nous pas joindre aucun support vous passez bon côté nous allons dans ce sens là donc nous relé en secours à toute autorité concernée soit au niveau de l'école soit au niveau et bien peuple là qui est victime donc allons attendre support yo. Alors donc nous content pour te tendre nous et pour te passer voir tout sur grand boulevard merci d'avance et de conseils ensemble avec case cinquième section qui à Matol la guerre donc nous et bien support parce que magistrat toujours en l'air là trois ou pour yo monde en site là et même nous pas gain député pour nous reler nous pas gain sénateur pour nous reler nous pas gain président pour nous reler comme chanté a dit et bien ça donc l'éternel seulement mais nous espérons que autorité attendez autorité va passer visiter nous autorité a vu nous ma classe cinquième section commune Cataillon qui est entouré avec toute l'autre zone que nous sommes cité là yo. Alors, merci d'avance, Périnel et Périnel René, Guerrier Gessel, et nous profiter de saluer Bob C qui parle là jeudi. Donc, nous disons merci et nous saluons tout, mais qui est beau à mort. Donc, nous saluons très fort. Merci en pile, parce que bonne journée, qu'un bel appel à vous. En pile, Yves Bernardin qui t'a parlé avec nous depuis 5e section Cavaillon. Enquête pour lancer une campagne de sensibilisation, surtout dans la région qui est affectée par le tremblement de terre 14 d'Aroutlang. Il y a une délégation étudiante qui sortit dans l'école nationale géologie NGA qui a fait gagner pour l'agneau sous place, particulièrement dans Maniche, une zone qui puisse toucher. Il y a avec nous en studio Weber, Jean-Philippe et Pella, Étienne, qui passaient. Et dans le studio, avant, il a fait voyage, ça, c'est pral lundi. Monsieur, dame, bonjour. Nous avons décidé de passer dans la Radio Caraïbe pour nous annoncer une visite terrain. Nous pral faire dans la région sud-là, Maniche en particulier, pour qu'il y ait un déplacement. Ça. Alors, moi, salue tout auditeur Captain D. Moi, salue Pierre Runel. Moi, salue Guillaume Dussel. Et mettez en l'ordre nous. Alors, c'est un plaisir matin pour nous dans le studio. Côté que nous avons une grande campagne que nous voulons lancer dans et région sud là alors côté que nous viser zone qui plus reculée qui plus touchée non et objectif pour nous capable de lancer une grande campagne de sensibilisation alors dit première phase partie ça c'est une enquête n'a fait côté que n'a recueilli des données au bon côté population et puis avec données ça nous capable et garder et niveau vulnérabilité zone ça et dans ça ce que nous capable lancer campagne sensibilisation alors nous c'est NGA donc l'école nationale de géologie appliquée. C'est seule institution qui forme moun dans domaine géologie et nous senti nous révolter les que n'a gardé façon que et nous pas résilient dans pays a parce qu'on dit que pour parler de résilience ben, alors faut moun ta connaît vraiment qui ça phénomène naturel oui bon malheureusement on pas connaît vraiment et faut une fois que t'a vinn connaît ou t'a vinn et normalement vinn gain culture c'est ça que t'a pas mené avec résilience là et ben de nos jours après Haïti souvent frappé par des phénomènes naturels qui me capable dire c'est pas bon Dieu qui a puni nous gens qui en pile monde mais c'est une capable disposition géographique nous géotectonique et également me capable dire c'est nous enregistrer tout dégâts ça c'est à cause de mauvaise et en charge de l'État donc dans ce sens ça donc nous et là pour nous capable parler de et pour nous lancer un vibrant appel à l'État donc pour les bonnes importance que nous mérité sur marché comme seule institution qui a formé géologie et que nous entamé plusieurs processus d'ailleurs côté que récemment nous étions dans Cap Haïtien nous à faire une grande campagne de sensibilisation côté que nous étions ciblé nous étions fait à travers l'école donc c'était un travail qui était vraiment jeune et en pile et appui bon côté étudiant nous pas joindre nous dans l'État et c'est nous mêmes qui t'offre tête nous et dans ce sens ça nous toujours prêts pour nous toujours disponibles pour que nous et by même formation ça qui nous recevoir
Parce qu'on dit que nous avons connaissance, mais on dirait que l'État n'a pas connu vraiment l'importance. Donc, allons pas connaître si c'est exprès ou bien si c'est négligé ou négligé nous sur terrain, sur le marché. Hein. Là, nous connaissons nous-mêmes et par le bagage qu'on est capable de faire. Donc, et nous sommes géologues en formation, donc nous sommes nous en formation et géologique, et nous sommes artisans de science. Et maintenant, ça, science dans le grand paquet, rôle pour jouer. Moi, je crois que dans le pays, il y a des gens qui sont en situation y est de nos jours, donc nous ne sommes pas contentés de manger seulement. Donc, la science doit faire place. Li. La, nous devons bailler la science tout et crédit. Li. De façon que nous avons interprété les données et jeune des réponses, des alternatives pour être capable de pallier à des dangers qui pendent sur le pays Haïti. Donc, alors, je continue pour faire place avec le collègue Elna qui a fait parler de l'École nationale de géologie appliquée. Bonjour, et Pierre-Renel René, guerrier Dieu seul, et metteur en Odlan. Nous saluons toute la population qui attend de nous. Maintenant, nous même dans l'École nationale de géologie appliquée, nous sommes venus pour nous capables juste aller nous de seule grande institution qui a formé monde dans le domaine de géologie dans le pays. Et l'école, ça lui-même qui était fondée en 1978 et Kounyala qui vient nous retrouver dans l'ancien local Saint-Louis de Gonzague, dans la rue du Centre. Donc, et nous trouvons nous dans une situation côté que nous t'a supposé jouer une place, nous t'a supposé jouer un côté pour nous capables et exprimer pour nous capables former population parce que c'est nous-mêmes qui placés pour ça. C'est dans ce sens ça que nous-mêmes dans l'École nationale de géologie appliquée, même j'ai noté fait le 7 mai qui saute passé à le 10 prochain 30 août, nous pour aller dans Grand Sud là pour nous capables lancer une enquête qui a bien deux parties. Premièrement, nous pour recueillir des données auprès de population. Deuxièmement, nous pour identifier des phénomènes géologiques, des mouvements de terrain, éboulements, glissements de terrain pour nous capables sortir un rapport qui capable permettre que dans fin année nous capables faire une grande campagne de sensibilisation afin que nous et accompagner population. Donc, il y a de l'autre donnée comme ça qui est disponible. C'est le premier travail, nous, en tant qu'étudiants, en tant que l'École nationale de géologie. Alors, on dit qu'il y a des données qui sont disponibles, puisque nous connaissons normalement deux grandes failles qui traversent Haïti. Donc, nous avons parlé de failles de la presqu'île du Sud et failles septentrionales, qui est à l'origine des Cap-Haïtiens, qui traversent tout Cap-Haïtien. Mais, les données, ça vraiment, et vu avec ça qui se passe là, tremblement de terre qui nous connaît là. Donc c'est pendant que le phénomène n'a produit là, c'est le moment pour nous-mêmes comme institution, comme géologue de terrain, donc pour nous recueillir donner ça pour nous capable écrire un document côté que n'a bien pour nous lancer une campagne de sensibilisation. On dit que n'a regardé bien et tout le monde qui victime aussi une capacité on manque de alors surtout qui cause raison parce que et moun sa connaît vraiment qui ça phénomène une fois qu'il vient produit et eh bien il y a un mauvais comportement et de phénomène de tremblement de terre donc ou après gen moun ki mouri c'est courir soit c'est moun qui était dans caille qui tombé soit c'est moun qui était dans jardin et côté gen éboulement de terrain donc tout ça me pense que une fois que tremblement de terre t'a passé yo t'a gétan au courant que gen yo t'a gétan gen culture ça t'a gétan connait son phénomène naturel yo pas gen pour et fait tête chaud, tu as gardé 100 fois, donc nous sommes capables d'épargner et moins mort. Alors. Oui, nous avons pas fini, puisque nous avons l'autre monde nous avons gagné pour nous recevoir là dans le cadre de journal ça, mais Elna, tu as un numéro de contact pour les gens qui sont intéressés à démarcher nous et qui t'avaient rejoindre nous sur place pour accompagner nous dans notre travail là, pour nous faire dans le sud là. Ok, normalement, le travail ça que nous avons pour nous faire, nous avons tout nous avons tout matériel déjà disponible, nous avons machine, nous avons côté pour nous descendre, nous même en tant que étudiants, nous avons gagné et bagage est disponible. Mais nous connaissons que nous avons une catastrophe qui s'est passée et nous avons un pile monde qui est victime. Nous même en tant que étudiants, nous qu'à collecter quantité ça que nous gagnons, mais ça nous gagnons les minimes par rapport à quantité monde qui victime. Donc n'importe monde qui intéressé ensemble avec ça que nous avons fait, les gens doivent toujours essayer de contacter nous
et sous numéro 31 28 28 33, et m'a répété le 31 28 28 33. Donc et l'a contacté nous, et puis tout le monde doit toujours servir avec nous comme intermédiaire pour nous capable bailler, parce que normalement l'on pas être devant moun nan avec un fiche d'enquête ou a poser le question mandé le comment te sentil, et puis les moun nan ou a regarder ou a regarder phénomène qui passe yo. Donc ou pas arrêter comme ça pour regarder moun nan, faut qu'ou capable gagner bail pour capable longer bali. C'est dans sens ça nous té nous lancer appel là bay tout moun qui senti intéressé par ça que nous-mêmes nous amené. Donc nous dit merci. D'accord. Et ben merci un peu. Oh, merci. D'accord. Dans deux ou trois minutes, on va parler avec l'ancien sénateur Anacassis, Jean Hector, mais bien avant, Pierre Ounel. On va rejoindre Georges Valens, qui décrit nous en situation qui vraiment alarmant. 15 jours après tremblement, 14 d'août, pas gain de l'eau, moun yo besoin de temps, pas gain manger. Georges Valens, avec nous pour nous retourner encore sous conséquences catastrophe, sa situation vraiment critique, Georges Valens. Effectivement, Pierre Hidel, nous saluons et nous saluons Gervi, ainsi que tout le monde qui est aussi en station radio dans le sud du pays, donc Radio Le Bon FM au clair et Radio de l'Edabris dans le camp de la situation en plus calamant nous, Pierre Hidel, qui est 15 jours depuis le tremblement de terre. La réponse par les victimes nous paraît être très limite, à part en plus le monde, dans le centre-ville qui jouait dans le soin de la santé, dans le nouvel hôpital, et bien sûr, il y a une victime toujours à bataille pour un petit bout de l'eau, la mangeade et pas du côté pour nous se parer sous l'œil, voir la pluie. Alors qu'il y a un moment toujours de plus que les cap fêtes. Je n'en sais pas, quoi. Je constate qu'on y a là, dans tout le bout d'abord, c'est tout ce qui est marqué, où elle est toute calme. Je pense qu'on est vraiment qui ça, où il y a avec aucun mission. L'autre constat, toujours, en fait, c'est tout ce qui est venu, qui vient renforcer zone, qui servit de camp, dans le coup d'un terrain Gabion, qui est place d'Amabak, dans le terrain, à qui dans l'église Momon, Vilokai, il y a plus que même en côté, il y a pas plein pour être pas toute une autorité qui passe au rayon. Et c'est même criant beaucoup de gens qui sont victimes dans toute section communale, notamment dans le côté du pays, dans Saint-Louis du Sud, dans la deuxième à la troisième section tempérée, tout côté, car avec Yolande appel, il faut voir dans là pour demander l'échange stratégique dans la façon il n'y a pas géré après tremblement de terre. Il y a une union Kazakh à Dissid, en conférence pour la presse, qui même dénoncé pratiquement jusqu'à intérim, qui a fait politique à toute aide qui est entré dans le milieu, là, il dit tout le vin joignant, ses amis qui baillent, qui baillent pour eux avec le tremblement de terre. Dans ce sens-là, et bien, Renel, Kazekio, baille 3 jours pour l'administration communale, il a changé pratique. Dans le cas contraire, il n'y a pas vraiment tout le vide, il n'y a pas fait mais bien entendu, toute victime section communale pour venir coucher dans la rue, devant qu'il y a agent intérimaire. En tout cas, 15 jours de tremblement à Téa, et bien, une commission départementale qui a dit une catastrophe, et bien, une ministre en condition formelle, fait qu'on est, il y a avancé à travail pour arriver à une réponse positive, bah, effectivement. Cependant, moyen qui n'a pas assez la cause, il n'y a pas avancé à grand pas, notamment des responsables de protection civile, c'est de l'enfilver à Guillaume. Alors, ce qui est ministre en condition formelle, Dr. Sophia Loréus, qui dans cette action gouvernementale-là, n'a pas avancé aucun chiffre à savoir ce qui est réalisé vraiment. Toutefois, responsable de Bayes, là, on fait qu'on est, il y a 20 000 monde qui t'a déjà reçu des voitures alimentaires dans le sud après passage à tout démontrer 14 août là. Entre-temps, aide en nourriture ou en médicaments continue à débattre dans ce département. Maintenant là, il y a diverses institutions ou fondations qui ont gagné pour faire distribution en pleine des cailles avec côte de paysan. Alors, ce qui est hier après-midi, il y a un ancien député Campérin au Glimpierre qui remet une quantité de médicaments bah, et l'hôpital à Saint-Alain Campérin. C'était occasion pour responsable l'hôpital Campérin de présenter ensemble problème que l'institution a fait face. Et puis, entièrement, on a vu Pierre-Renel, victime 14 août, qui continue à être chanté par dizaines de débattements. Demain samedi, il y a une quantité de l'autre qui a été faite parmi eux, parmi qui il y a 7 personnes qui mourent tout ensemble. Et puis, il y a entièrement ancien sénateur sud, Jean-Gabriel Fortuné, qui a rappelé qu'il était mort le même matin, je vous ai demandé de théâtre, qui a chanté bien beau des matins samedi dans la ville au Caille, Pierre-Renel.
Georges Valens a rappelé aussi correspondant nous dans troisième ville pays à Okaï, Okaï qui continue à faire face à tremblement terre 14 heures dans Outland, la pluie qui continue à tomber, besoin Mounio qui toujours pas satisfait. Nous t'es supposé parler avec ingénieur Blaise Edson qui c'est Kazek dans zone Torbec, section communale des Audières, Formont, il est pas disponible dans Défouté de parler tout avec Madame Rosester, lui, qui c'est membre organisation petite, formons toujours la même zone. Tobek là, malheureusement, il n'y a pas disponible. N'a pas changé de sujet, Guerrier, nous parler dans l'actualité politique là. Nous parler dans l'actualité politique là, avec dossier assassinat. Ancien président Jovenel Moïse, côté gagnant, ministre Justice là, qui rencontrait la presse hier pour annoncer gagnant 6 millions gouttes qui disponible pour n'importe monde qui a aidé la police mettre main sur Wendell Cocatello, Joseph Félix Badjouak, John Joël Joseph. Nous avons passé des déclarations ministre de Justice, là, Rockefeller Vincent, qui rappelait l'enquête là, après poursuivre, fait qu'on a gagné 173 actes d'enquête, 44 arrestations parmi eux, 20 qui déjà exécutés, ça comptait 40 880 $ américains qui étaient saisis dans quatre dossiers. Ça, tout le monde qui est impliqué, un assassinat et ancien président devrait présenter devant la justice comme ça droit, d'après Rockefeller Vincent, qui est dans le micro, Magerson Félicitain. Gagné 173 actes d'enquête qui posaient, gagné 61 armes à feu saisies, gagné 10 ordinateurs qui confisqués, 40 480 $ américains et 117 475 gourdes qui saisit et qui...